à toutes et à tous et bienvenue dans les studios de la Latitude 91. On se retrouve aujourd'hui pour notre toute nouvelle émission Made in Essonne. Chaque semaine, on part à la découverte de jeunes talents et aujourd'hui, on reçoit les rappeurs Lexi et Noxy du MG Clan. Reportage. Eux contre nous, c'est une mise à mort, Coupé 6 dans le Benz, je tuerai pour les miens, MG Tuggin Gens. Tuggin Squad dans le Endo, transaction, on voit les giro dans le trop. Alors là c'est Silex, Noxy, vous connaissez déjà, pas besoin de se présenter. Donc là on est à la tour. La tour là on a commencé, là on habite, il y a trois tours. Moi j'habite à la première, elle habite à la troisième, puis ton bêta corbeau, les trois lettres. Et donc c'est ici qu'on a commencé. C'est là que tout a débuté, c'est là que je suis né. Donc juste ici, vous pouvez voir qu'on a clippé Feeling dans le Banks. Alors là, on est à l'endroit du clip Tony Montana. Donc je l'ai tourné ici parce que c'est la tour. C'est vraiment ici que tout se passe. Donc j'étais obligé de vraiment clipper devant cette tour. Que l'équipe, Maras Gang toujours. C'est le Banks ici, c'est là où tout se passe, beaucoup de folie ici étant jeune. Et voilà, c'est un endroit un peu, on va dire, mémorique, symbolique, on va dire. Donc toujours on vient clipper ici. Moi c'est toujours, c'est un peu ça mon truc. La trappe, mais avec une petite mélodie qui va t'emmener je sais pas où. C'est des sons qu'on écoute quand t'es aisé, on va dire. Pour pas être méchant, quand t'es aisé, t'écoutes du Noxy, c'est cool. Retrouvez-nous dans quelques jours pour la sortie de Overboard avec plusieurs sons à venir. High de Silex, un solo, plein de sons, il y a plein de sons. Il y a Ocho Banks, un nouveau de l'équipe que vous allez découvrir. Faites attention, ça arrive lourd. Maras Gang, Ocho Banks. Retour sur le plateau de Made in Essonne avec Lexi et Noxy, donc bonjour. Vous deux, c'est d'abord les Maras, puis MG Clan. Et donc plus de 40 sons enregistrés, plusieurs dizaines de milliers de vues sur YouTube. Et aujourd'hui, donc, on va parler de vos projets pour 2018. Donc, vous commencez en 2013-2014. Vous avez quel âge à ce moment-là ? On avait 13 ans, 14 ans. On a commencé jeune. Là, aujourd'hui, on a 17 ans. Ça fait 4 ans, 5 ans qu'on rappe à peu près. Et alors, comment on fait quand on a 13 ans, 14 ans comme ça pour trouver des studios pour enregistrer, des gens pour clipper, tout ça, c'est pas difficile ? Si, au début, si, mais avec comme on a des grands frères, on a des contacts. Moi, par exemple, j'avais mon grand frère qui rappe, lui de même. Et il nous aidait quoi, financièrement et pour les studios, les clips, tout ça. Quoi. Qui c'est qui vous a donné envie de faire du rap ? Quels artistes vraiment vous ont influencé là-dedans ? Bah, maintenant, c'est plus les Migos. Quavo, Offset, Takeoff, ceux qui nous inspirent le plus. C'est vrai que quand on écoute vos sons, on ressent vraiment cette influence US plus que française. Et donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous plaît pas ou vous dérange plus dans le rap français et qui vous inspire pas ? Il y a plus de folie dans l'US, c'est plus, on va dire, notre expression Wawer, c'est dans la folie, donc c'est ça qui nous inspire. Et donc pour le MG Clan en 2018, on peut s'attendre à quoi comme projet ? Beaucoup plus de clips et de meilleure qualité, plus pro. Est-ce que vous allez aussi vous démarquer un peu du rap, faire d'autres choses que juste de la musique, ou vous restez vraiment que dans la musique ? En ce moment, on est en train de monter un genre de label, quoi. Il y a plusieurs artistes, il n'y a pas que du son. On a des coiffeurs aussi, on a des beatmakers, des clippers. En fait, c'est vraiment le ocho, quoi. C'est un cercle qui se suit. Et donc, vous démarquez un peu du rap pour vraiment transformer ça en gros média, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et alors toi, tu as été un peu silencieux ces derniers temps sur YouTube. On n'a plus trop entendu de tes sons. Est-ce que tu prépares un retour en 2018 ? Ouais, là, il y a beaucoup de sons en préparation. Là, il y a beaucoup de clips qui vont... Oui, c'est possible. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2018 ? La réussite et la santé surtout. Eh bien, on vous souhaite tout ça. Et puis, merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas pour cette première émission de Made in Essonne. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, toujours dans les studios de la Latitude 91. Merci beaucoup.